Mets ta main sur ton cœur et nous allons prier pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour la multitude de personnes connectées à cet autel sur la planète Terre. Que ta parole éternelle crée un chemin dans le cœur de quelqu'un. Et que ta parole renverse les barrières d'incrédulité. Change totalement les paradigmes mentaux. Instruise ton peuple. Nourrisse éternel tes enfants. Détruise éternel toute forme de lien dans le nom suprême de Jésus. Et libère le potentiel enfoui en chacun d'entre nous dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton potentiel. Merci pour ton habileté. Honneur et gloire à toi Seigneur. Pour ta parole qui ne rentrera pas à toi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. Merci pour ton onction sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit encore Amen trois fois. Amen, amen, amen. Non, 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 ta manière de dire Amen, m'embête. Donne-moi trois bons Amen. Amen, amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé, pour ceux qui sont connectés à nos différents groupes, le message de ce matin, le cœur de Dieu pour toi. Le cœur de Dieu pour toi. Genèse 1, verset 26. Nous allons lire jusqu'au 28 et 29. Ensuite, on prendra Genèse 2, verset 15 à 17. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute bête portant de la semence, qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre, portant de la semence, ce sera votre nourriture. Mettez le verset 30, s'il vous plaît. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez attentivement, parce que là nous parlons de la sagesse élevée de Dieu, nous permettant d'accéder à son cœur, connaître le cœur qu'il a pour l'homme, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Dieu crée l'homme le sixième jour. Et il prend cet homme créé le sixième jour, après l'avoir béni, le place dans le jardin d'Éden. Cependant, il est important de se poser des questions essentielles. Pourquoi est-ce que Dieu, qui veut faire de l'homme la créature dominatrice sur les autres, arrive le sixième jour et non le premier? Eh bien, parce que Dieu était en train de préparer l'environnement dans lequel l'homme allait exercer sa domination. Il était en train de préparer le lieu de résidence de celui qu'il établissait sur la terre comme étant le gouverneur de la terre, comme étant le maître de la terre. Et donc, ça nous donne donc de comprendre que Dieu, avant qu'il amène un homme à l'existence, a déjà pris le soin de préparer bien en avance tout ce dont cet homme a besoin avant que l'homme n'existe. Donc, le fait qu'un besoin soit suscité est un indicateur que quelque part se trouve déjà la provision que Dieu a réservée pour nous. Donne-moi ton meilleur amen. Et beaucoup de personnes pensent que c'est le jour où le besoin arrive que nos prières donnent à Dieu de pouvoir trouver la provision pour nous. Non, souvent le besoin n'est qu'un indicateur que la provision existe déjà. L'homme dans le jardin n'a pas eu besoin de dire, oh papa j'ai faim, est-ce que je vais être... Non, avant même qu'il n'ait faim, Dieu lui a déjà indiqué qu'est-ce qui sera sa nourriture. Parce que Dieu est un Dieu responsable, un Dieu intelligent. Un Dieu qui se prend de soin de ceux qu'il appelle ses enfants. Mais les deux textes que nous venons de lire révèlent profondément
Le cœur de Dieu pour l'homme est la raison pour laquelle beaucoup de personnes passent à côté de la glorieuse pensée de Dieu pour elles. C'est simplement parce qu'elles sont ignorantes de la volonté parfaite de Dieu à leur égard et souvent polluées par les mensonges odieux de la religion au détriment de la spiritualité. Parce qu'on peut être religieux sans être spirituel. Premièrement, on aura 12 pensées hein, de Dieu pour l'homme. On va révéler 12. Hein. Premièrement, on voit que Dieu veut que l'homme soit comme lui. Dieu veut que l'homme soit comme lui. C'est-à-dire que toi et moi, nous soyons comme lui. Dieu n'a pas de complexe de susciter une autre créature qui lui ressemble. Amen, qu'il soit son image. C'est un grand leader. Les grands leaders suscitent des personnes qui leur ressemblent. Comme lui. C'est ça un grand leader. Il dit, mais la condition, c'est que moi, j'ai le ciel et je règne là-bas. Tout, vous êtes sur la terre. C'est votre périmètre. Règne. Je veux que vous soyez comme moi. À mon image, sur ma ressemblance. C'est-à-dire que vous soyez saint, comme je suis saint. Je me déplace et j'agis dans les barrières, vous voyez, souveraines de ma sainteté. C'est à l'intérieur que j'arrive à me mouvoir. C'est ce qui fait ma force, ma sainteté de Dieu. Je suis bon. Soyez comme moi, soyez bon. Petit tout bon, ne crains point. C'est de ton bon plaisir, mon bon plaisir que j'étais dans le royaume. Tu es un Dieu bon. Il est tellement bon qu'il prend plaisir à te faire du bien. Tu ne sortiras pas d'ici sans être spécialement arrosé de ses grâces. Ta manière de dire amen m'embête. Tu es un Dieu puissant. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Donc, il veut que tu sois comme lui, que tu sois aussi puissant. Il n'y a pas de faible en Dieu. Dieu n'engendre pas les faiblards. Donne-moi ton meilleur amen. Parce qu'il t'a créé à son image selon sa ressemblance. Même une faiblesse apparente d'un enfant de Dieu cache une force invisible. Et le but de ce message est de révéler ce qui est caché en toi, que le monde n'a pas encore vu. Oh, ton silence m'inquiète. Dieu est amour. Il est amour. Il aime. Et il veut que toi aussi tu aimes. Il est riche. Et il ne te veut pas pauvre. C'est pour ça qu'il t'a créé à son image selon sa ressemblance. En d'autres termes, que quand quelqu'un te rencontre en route, qu'il te confonde à Dieu. Voilà ça. Qu'il te rencontre en route, qu'il te confonde à Dieu. Voyez-vous, c'est très important. La deuxième dimension de son cœur qui révèle pour l'homme, c'est qu'il veut que l'homme réussisse dans toutes ses voies. Il veut la réussite. La réussite est de Dieu. L'échec n'est pas de Dieu. En Dieu, il n'existe pas d'échec. Si l'échec est nommé, alors c'est le piédestal qui mène à la réussite. Il n'y a pas d'échec. Tu ne joueras pas. Et c'est pour ça que quand il a créé l'homme, la première chose qu'il fit, il le bénit. Il n'a pas dit bonjour. Comment vous allez? Vous avez bien dormi? Non. Vous êtes bien sorti? Vous êtes bien dans votre peau? Non. Il dit, je vous bénis. Soyez féconds. Multipliez, remplissez, agissez, assujettissez et dominez. La première chose, c'est la bénédiction. Et cette bénédiction souveraine, je la déclarerai encore sur ta vie pendant ce message. Elle t'accompagnera. Tu es béni. Donne-moi ton meilleur amen. Béni dans la ville, béni dans les champs. Béni en Abraham, béni par la victoire de Christ. Et personne ne pourra te maudire. Ce que tu es béni, personne ne peut maudire. Impossible. Quand on parle de bénédiction, c'est relâché sur ta vie de bonnes paroles, chargé de puissance, capable de provoquer ce qu'elles contiennent comme promesses. Notez bien les mots, parce que je vous ai dit, je parle avec des mots précis, afin de provoquer, chargé de puissance, capable de provoquer dans ta vie les promesses qu'elles contiennent. Donc ça veut dire que même si dans l'environnement, il n'y avait pas possibilité pour que ces choses arrivent, la bénédiction qui est relâchée sur ta vie provoque cela dans ton environnement et cela arrive. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La bénédiction engage la faveur de Dieu sur ta vie. Et elle donne à tout ce qui est soumis à l'autorité de Dieu de coopérer avec toi dans le dessein que Dieu t'a accompli, t'a assigné. Donc tout ce qui est de Dieu coopère.
Tout ce que Dieu a fait, que ce soit l'or, l'argent, les animaux, les plantes, tout. Quand Dieu t'a béni, la création se met à ton service. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, et il dispose, même favorablement à son égard, tous ses ennemis. Ce que la Bible dit. Les paroles de bénédiction prononcées sur ta vie ont la capacité de changer l'environnement de ton ciel. Vous êtes dans la même ville, mais vous n'avez pas le même ciel. Pendant qu'il fait chaud partout, il pleut chez toi. Que cela soit ton partage. Et la bénédiction t'infuse un potentiel, une capacité divine et provoque la connexion surnaturelle, les rencontres inattendues et des jalousies admiratives. Notez bien le mot jalousie admirative. Un jour, Dieu m'a dit, écoute, parmi tes jalousies, tes jaloux, la majorité de ceux qui t'admirent sont dans le camp des jaloux. Ils t'admirent. Il s'agit de la jalousie admirative. Ils sont jaloux, mais admirativement. Là, ils ont de l'admiration pour toi. Mais comme ils n'ont pas de bien en eux, ils ne peuvent que manifester ça par la jalousie. Tu n'as pas déjà vu un présent d'une soeur, on dit qu'elle va se marier, et puis tu vois, il fait une autre soeur, elle a la tête comme ça. C'est qu'en fait, c'est la jalousie admirative. Tu vois, tu as pris le gars qu'elle attendait. Elle n'a pas envie de regarder. Amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. La bénédiction met une marque de distinction sur ta vie, voyez-vous, et amplifie l'action de Dieu par ta vie. Parce que tu es béni, l'écho de ton action retentit très fort. Ça retentit fort. On entend l'écho de ton action, boum, 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 très fort. Parce que même la nuit, les oiseaux ailés prennent et volent dans les palais pour raconter ton histoire. Quoi? Dieu veut que tu sois fécond et productif. La productivité. En Dieu, il n'y a pas de stérilité. Il veut la fécondité. Il t'a béni pour être fécond. Tu es fécond. L'entreprise qui est en toi sort. Les projets qui sont en soi sont exécutés. Tu es fécond. Ce que tu représentes, tu le manifestes. Ton ministère est sur place. Tes empires sont bâtis. Tu arrives au sommet. Tu construis des multinationales. Tu accouches tes livres. Tu accouches les immeubles. Tout ce qui est en toi sort. Tu es fécond. Tu multiplies, tu remplis. Tu assujettis, tu domines. C'est ce que Dieu veut pour toi. La fécondité. Et il veut ensuite que tu sois heureux et comblé. Heureux et comblé sur la terre des hommes. C'est pourquoi il t'a créé le sixième jour. Je t'interdis d'être malheureux. Je maudis le malheur qui venait sur ton chemin. Que tes jours se transforment en jours de rire, en jours de célébration perpétuelle. Et que la joie est tellement immense en toi qu'elle fasse disparaître les rides anticipées qu'il y avait sur ton visage. Une cure de jouvence provoquée par l'aisance de sa présence. Je reprends. Une cure de jouvence provoquée par l'aisance de sa présence. Une cure de jouvence provoquée par l'aisance de sa présence. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie des hommes. On te regardera de façon admirative. Les gens te regarderont et se diront, mais qu'est-ce qui se passe? L'embellie, le regard, le sourire, la paix, la joie. Quand tu passeras, même les pigeons sur les arbres, des arbres vont s'arrêter pour contempler la merveilleuse créature de Dieu. Tel est ton partage. Alléluia. Amen. Avant, quand tu rentres au village, personne ne savait que tu es venu. Maintenant, on va se... Il est arrivé. Et les gens sortent pour venir voir. Il est venu au village. Parce que c'est ce que tu deviens par la grâce de Dieu. Il te veut heureux et comblé sur terre. Dieu veut que tu jouisses de tout ce que la terre possède. De tout. Je dis bien tout ce que la terre possède. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour qu'on en jouisse.
que tu jouisses des choses qui sont à toi. La jouissance. Alléluia. Amen. Tu jouis de tout ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est très important. Très, très important. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les a seulement créés pour des intendants qui ne profitent pas de ce qu'ils ont. Non, je veux que tu en jouisses. Il faut en jouir. Sans aucun problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. 6. Il veut que tu aies la domination sur la puissance des ténèbres sur toute la terre. Il t'a béni pour dominer. Que tu aies la domination sur toute la puissance des ténèbres. Et donc la présence d'un sorcier ou les attaques de sorcellerie ne sont pas des indicateurs que ta vie va sombrer. Non, c'est plutôt un révélateur de ton potentiel. Donc il t'attaque pour que tu te mettes en marche et que tu les écrases. La domination est une signalétique de l'existence d'une puissance de résistance. Mais tu domines après un combat acharné. J'ai appris moi, je suis plus que vainqueur. Déclare-le, je suis plus que vainqueur. C'est très important. C'est très important. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu t'a béni pour dominer. Tu auras toujours le dernier mot. Il veut que tu aies la domination sur toute la puissance des ténèbres. Il veut, celle, que tu sois en très bonne santé. En très bonne santé. C'est anormal. Aujourd'hui, on a des gens de 40 ans qui sont déjà malades. Il dit non, c'est l'âge. Quel âge? 40 ans, tu es un jeune garçon. 60 ans, tu es encore dans la vigueur de ta jeunesse. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu sois en bonne santé, dis encore amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Vous ne pouvez pas demander à un homme de cultiver toute la terre, de se balader et d'aller nord, au sud, à l'ouest s'il est malade. Ça veut dire que vous savez que c'est un homme bien portant. La santé, c'est une bénédiction. Amen. Reçois-la totalement. Et si d'aventure, il y avait une germe d'une maladie qui avait commencé à se frayer en chemin dans ton corps, je maudis sa présence en toi. Dans le nom suprême de Jésus, j'appelle dans ta vie, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, maintenant, la santé divine à tous égards. Dis encore amen. 8. Il veut que tu te déploies, que tu déploies ton intelligence et ta sagesse. Donc, on verra ça en profondeur tout à l'heure. Il dit que tu déploies ton intelligence et ta sagesse. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous pensons que le jardin d'Éden était un lieu de prière. Le jardin d'Éden n'était pas un lieu de prière, c'était un lieu de travail. Vous voyez, un travail intelligent et sage. Donc, si tu ne peux pas, c'est moi, là, vous dites, Handarebo, Sandaraba, prier tout le temps, non. Mais il faut la sagesse et l'intelligence. Tu dois déployer ta sagesse et ton intelligence. Ton cerveau n'est pas accidentel. Il a été déposé dans ta tête pour coopérer avec l'intelligence d'en haut. Avec ton cerveau, tu peux télécharger la pensée de Dieu. Tu peux avoir accès aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au corps de l'homme. Tu peux révéler la divinité qui sommeille dans ton humanité. Numéro, vous êtes à quel numéro? On va maintenant à 9. Il veut que l'homme, il veut que tu lui sois soumis. Que toi, le cœur de Dieu, c'est que tu lui sois soumis. Parce qu'il sait que ton épanouissement n'est nul autre ailleurs que dans sa présence. Il te veut dépendant de lui, soumis à lui. L'indépendance a été une séduction de Satan. Si l'indépendance de nos nations africaines, la réelle indépendance, est voulue et souhaitée des Occidentaux, notre dépendance à Dieu est absolue. 10. Il veut que tu sois travailleur. On le verra, travailleur. Que tu sois travailleur. Travailleur. 11. Que tu représentes, tu sois son ambassadeur sur terre. Que tu sois son ambassadeur sur terre. Tu vois son ambassadeur sur terre. Son ambassadeur. Celui qui le représente. Et donc, il veut, numéro 12, que tu sois le maître de toute la terre. C'est-à-dire, le contrôle de la terre. Il veut que ce soit toi. Dans le domaine de ton appel, Dieu veut que tu sois maître. Que tu sois maîtresse du secteur dans lequel il t'a placé. C'est ça, le plan de Dieu. Donc, après moi, je reçois. Dis après, je dis encore, je reçois. Donc, c'est très important. Dieu, vous voyez, il dit,
J'ordonne que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Parce que tu as été conçu pour la hauteur. Donc la nouvelle création respecte cet ordre. D'accord? Du leadership absolu. De la distinction remarquable entre toi et les autres. Que tu sois la signalétique qui montre à cette dispensation égarée que le chemin a été retrouvé par toi. Là, ta vie parle mieux que les discours. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Mais maintenant, comment, puisqu'on a vu ces 12 points, comment Dieu veut donc que tu vives cela, que cela arrive à manifestation dans ta vie et à la coopération avec la sagesse élevée de Dieu. Bienvenue au message qui va radicalement changer ta vie. Genèse 12, verset 14 à 15. Écoutez, c'est très, très, très profond. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 15. Il prit l'homme pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, verset 15 à 17. Vous avez les versets pour autant. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il a fait quoi? Il a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Je vous pose une question. Entre le jardin et l'homme, qui a été créé en premier? Le jardin. Le jardin était comment? C'était paradisiaque. C'était un endroit extraordinaire. C'était beau. Il y avait tout dans le jardin d'Éden. Vrai ou faux? Donc Dieu a placé l'homme dans ce jardin. Avec pour quelle intention? Donner à l'homme, voyez-vous, de pouvoir cultiver le jardin et de pouvoir le garder. Donc l'homme est placé dans le jardin d'Éden pour travailler. Donc il n'y a que le travail qui va vraiment révéler ta royauté, qui va imposer ta domination, qui te donnera de jouir de ce que le ciel t'a réservé. Le travail. Le travail n'est pas une malédiction, frères et sœurs. Non, mais bien le contraire. Le travail est le processus par lequel la gloire de Dieu se révèle dans la vie d'un homme sur la terre des hommes. Le travail. Il n'a pas dit, je te plante le jardin d'Éden pour prier et pour jeûner. Non, mais pour cultiver et pour garder. C'est le travail. Dans toute la, de toutes ces gymnastiques spirituelles, toutes les activités qu'on peut avoir dans l'église, la prière et le jeûne ne peuvent pas t'exempter des responsabilités prophétiques qui te sont assignées sous le soleil. Et c'est ça qui a détruit l'église. Parce que l'église a rendu certaines personnes flemmardes, paresseuses. Attendant un bonheur qui viendra là-haut. Et puis on entend les gens dire, je vis par la foi. Écoute bien cette phrase que le Saint-Esprit m'a donnée hier. Si tu veux jouir du paradis de ta destinée, il faut aimer le travail pour lequel Dieu t'a destiné. Si tu veux jouir du paradis de ta destinée, il faut aimer le travail pour lequel Dieu t'a destiné. Il faut aimer le travail pour lequel Dieu t'a destiné. Il y a un travail pour lequel Dieu t'a destiné. Nous sommes tous habillés parce que Dieu a destiné certaines personnes à être de bons tailleurs, de bons stylistes et modélistes. C'est le travail de leur destinée. Et à cause d'eux, nous sommes tous vêtus. Nous sommes tous chaussés parce que certaines personnes ont répondu à l'appel de Dieu dans ce couloir. Nous arrivons à lire la Bible. Parce qu'on a été instruit par des instituteurs et des professeurs. Nous raisonnons logiquement, ou même de façon cartésienne. Parce que quelque part, dans le processus de notre éducation, certaines personnes ont pris le temps d'ouvrir notre intelligence. Donc il est important d'aimer le travail pour lequel Dieu t'a destiné. Et ta vie est classifiée comme étant une vie de foi quand elle sert à atteindre les desseins de Dieu sur terre. Écris-le. Ta vie est classifiée comme une vie de foi quand elle sert à atteindre les desseins de Dieu sur terre. Les grands hommes comme Abraham, il a obéi, il est parti. Moïse, devenu grand, refusa de taper fils à fille de Pharaon. Abel a sacrifié. Donc il y a un des desseins de Dieu qui doivent être atteints.
Et Dieu veut se servir de ta vie. Il veut prendre ta vie pour atteindre certains desseins. Amen. Dans cette dispensation, ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'art, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans la politique, ça peut être dans la religion. Il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a suscité. Et tu ne peux pas te permettre de passer à côté de ce mandat. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, au lieu de cela, nous sommes tellement, parlant de la vie spirituelle, tellement distraits par des choses qui n'ont pas de sens, à mon sens. Vraiment. Hein? On vient à l'église, ouais. Ouais. On va vous... Aujourd'hui, on a invité un grand homme. Il va venir vous parler. C'est l'ancien premier ministre de Satan. Qu'est-ce qu'on a à faire avec l'ancien premier ministre de Satan qui va venir parler sur l'église, à l'église? Pourquoi? Non, j'étais ici. C'est comme ça qu'on tue les gens. On fait des accidents. On s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Ou alors, vous entendez, ah, moi, vraiment, je suis allé au ciel. J'ai visité le ciel. Dieu m'a montré les quartiers du ciel. Il m'a montré si, frère, ça c'est bien. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient ennuyeux. Parce que dans la Bible, on parle du ciel. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit allé au ciel pour me parler du ciel. La Bible parle du ciel. Et on paraît tellement spirituel. Vous savez, si Dieu prend la peine de te montrer le ciel deux fois, c'est que tu avais déjà un pied en enfer. C'est que tu avais un pied en enfer. C'est que ton pied était en enfer. Parce qu'il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc Dieu n'a pas besoin de te montrer des visions extraordinaires pour que tu deviennes l'homme le plus spirituel. Dieu m'a montré ça, j'ai vu des anges, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Oh, 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 Dieu me dit, attends, attends. Tout, écoutez, c'est la distraction. Je vous dis, ça s'appelle la distraction. Avec grand D. Avec grand D. Ah, je vois, je vois, je vois. Dans ton village, je vois. Ah, je vois, je vois. Ah oui, tu as vu tout ça. Mais qu'est-ce que la personne devient après? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie sur la terre des hommes? Arrêtons ça. Arrêtons le folklore. Arrêtons le folklore. Passons à ce qui est essentiel. Quel est le mandat de Dieu pour ta vie? Pourquoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce qui est rattaché à ta vie? Quel est le mandat que tu dois accomplir? C'est ça le plus important. Et vous entendez les gens, ça ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que l'église passe à un autre niveau de maturité, de façon concrète, de façon pratique, de façon tangible. Et que dans cette génération encore, nous retrouvons les gens dans leur couloir. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est pas ce qu'il a dit? C'est pas ce qu'il a dit? Donnez-moi de ces trois personnes, qui est un paresseux? Personne. Dieu ne s'est jamais identifié au paresseux. Regardez la référence des gens comme Daniel, des gens comme Joseph. Quoi, ce Dieu est bête? Non. Il vous donne des modèles de référencement pour pousser votre vie vers le haut. Je suis en train de te dire que ce message va te propulser dans une autre dimension. Cependant, écoute-moi bien, je connais la puissance de Dieu. Je la vis. Je dors avec, je me lève avec. La puissance de Dieu est en moi. Je la manifeste, elle est visible. Je vais te montrer comment elle travaille. Elle va t'accompagner dorénavant. Partout où tu iras, tu la verras de tes yeux. Quelqu'un dise encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, il faut comprendre comment agit le pouvoir de Dieu. Comment ce pouvoir agit? De deux manières. Premièrement, de manière absolue. Et ça, c'est ce que les gens attendent. Absolue. Quand Dieu décide d'agir directement à partir des choses invisibles. C'est-à-dire, il n'y a pas de données visibles. Il agit à partir des choses invisibles. Le paralytique est là. Allez, marche. Le paralytique marche. Le fou guérit. Il est guéri. Tout de suite, sort. Sort guéri. Le gars est guéri. On a vu des choses pareilles. C'est fantastique. Ne me parle, c'est bon. Mais ça, c'est le pouvoir absolu de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que la vie soit régentée par le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu fait partie de la manifestation de la puissance d'exception de Dieu à des temps voulus. D'accord? C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. On est d'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle le pouvoir ordonné. Quand Dieu agit à partir des causes secondaires.
Il agit à partir de causes secondaires. C'est-à-dire, là, tu comprends le mécanisme des principes et des lois divines. Tu coopères avec elles et tu déclenches le pouvoir divin qui commence à agir dans ta vie avec puissance. Demande ton meilleur amen. Vous avez un bébé. Quand le bébé, toi-même, toi et moi, la première forme qu'on avait était laquelle? Un spermatozoïde. Vous ne pouvez même pas le dessiner. Vous ne pouvez même pas le voir de vos propres yeux. C'est pire que le néant. Donc, vous avez là environ 1 milliard, 5 à 2 milliards qui vont à cause vers l'ovule. Donc, dans le pouvoir ordonné de Dieu, il a prévu que quand le spermatozoïde, au temps convenable, au temps fatidique, rencontre l'ovule, il y a ovulation. Et donc, l'ovulation produit nidation et puis on voit un développement d'enfant qui reste caché dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Mais Dieu dit, à l'étape du spermatozoïde, il appelle déjà le spermatozoïde homme. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, quand tu étais en train de migrer et de passer par les transits de ton père pour descendre dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et donc, quand tu es entré dans le ventre de ta mère, tu étais déjà un missionnaire de Dieu en quête d'une destinée prophétique. Il dit, avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, il donne à Jérémie des informations prophétiques codées, que même la mère de Jérémie n'a jamais reçues, qui sont cryptées à la personne de Jérémie, rattachées à ses chromosomes, identifiées à ses cheveux, qui correspondent à sa carrure. Il dit à Jérémie, il n'y a pas de hasard, tu fais partie de mon plan parfait. Même si apparemment, l'environnement semble imparfait pour le plan parfait que j'ai conçu. Dans le pouvoir ordonné, c'est ce pouvoir qui donne à Dieu de prendre les choses faibles et d'en faire des fortes. Son pouvoir de faible commencement. Il dit, ne méprise pas les faibles commencements du Seigneur. L'église, c'est le seul endroit où vous trouvez un esclave qui demain sera roi. Parce que Dieu a l'intelligence de cacher le roi dans l'esclave, de cacher le fort dans le faible, de cacher le grand, bonne santé dans le malade. Parce qu'il veut tirer la gloire de la vie de cette personne et célébrer son nom par la vie de cette personne. C'est ce que Dieu fait. J'aime cette assemblée parce que à 99%, nous avons un nouvel homme. Ah, nos pères n'étaient pas riches. Nos pères n'étaient pas connus, nos pères n'étaient pas célèbres, mais gloire à Dieu, Jésus nous a rencontrés, Jésus nous a fait du bien, Jésus nous a ramassés, et Jésus est en train de nous amener, chacun d'entre nous, vers une destinée royale. Gloire à Dieu pour son pouvoir qui nous a rencontrés et qui travaille au travers de nos vies. Je ne puis pas mépriser, voyez-vous, qui je suis en Dieu à cause de mon identité factuelle. Les faits ne peuvent pas changer ce qui est crypté par la destinée. Je reprends. Les faits ne peuvent pas changer ce qui est crypté par la destinée. Quand je parle de cryptage, ce que la destinée a voilé. Dans les faits, quand on te regarde, tu ne ressembles pas à ce que la destinée t'a réservé. Mais au fond, c'est ce que tu es. Et avec le temps, si les choses vont dans le sens de ce que Dieu attend, tu verras comment est-ce que ta vie basculera dans un autre niveau. À une autre dimension, un autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc ne méprise pas les faibles commencements. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Voyez, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Voyez, donc ça veut dire qu'il arrive que quand Dieu déploie son action, les gens ne reconnaissent pas la main de Dieu. Les gens ne voient pas la main de Dieu. Les gens ne savent pas que c'est la main de Dieu. Les gens ne reconnaissent pas encore. Mais je veux te dire, c'est pas parce que les gens ne l'ont pas reconnu que tu dois changer ta nature. Oh, ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. L'obéissance au principe de Dieu libère le pouvoir ordonné et te permet de mettre en marche le miracle programmé par Dieu. Le miracle programmé par Dieu. Donc il faut coopérer avec la sagesse élevée. Alors regardez ici, s'il vous plaît. Nous entrons dans un mystère qui est un mystère très contesté par l'enfer, qui est le mystère de la semence.
Je vous parlerai de la semence comme vous ne l'avez pas entendue souvent. Et certains d'entre vous seront confortés par la révélation que Dieu vous avait donnée dans le secret, mais que peut-être vous n'avez pas connue. Regardez, la Bible dit, quand Dieu crée l'homme, Genèse 1, verset 29, regardons ici, quand Dieu l'a béni, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Genèse 1, 29, Dieu dit, voici, je vous donne toutes les bêtes, portant quoi? De la semence. Portant quoi? De la semence, qui est la surface de toute la terre, et ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Regardez au verset 30. Il y a tout animal de la terre, il y a tout animal du ciel, il y a tout oiseau du ciel, il y a tout ce qui se meut sur la terre. Et il y a en soi un souffle de vie, je donne toutes les bêtes pour nourriture. Qu'est-ce que vous observez quand vous lisez attentivement les deux versets? Les animaux ont pour nourriture les bêtes, mais l'homme bête des animaux n'a pas de semence. Revenons au verset 29. Alors que la nourriture, verset 29, des hommes, c'est du fruit d'arbre portant la semence. Alors les animaux, ils disent de l'herbe verte, ce sera votre nourriture. Donc ce qui fait la différence entre le roi du règne humain sur le règne animal, c'est la gestion de ta semence. Parce que l'homme a l'intelligence de Dieu pour coopérer avec la sagesse. Parce que la semence contient un potentiel incroyable. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Vous voyez donc? Et c'est justement ce qui te met au-dessus. Donc ta survie dans le jardin d'Éden, regardez, l'homme est dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme puisse survivre dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que l'homme ait la capacité de bien gérer les semences qui sont mises à disposition. Ce que vous ne savez pas. Ou alors ce que souvent vous lisez sans bien voir. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas donné tous les arbres qu'on voit aujourd'hui, non. Il a donné une espèce d'arbre avec des fruits. Il dit, je te donne le fruit d'arbre portant de la semence. Aujourd'hui, on est près de 8 milliards sur la terre. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce que Dieu a encore créé les plantes après? Non. Donc, ça veut dire que même si Adam a échoué dans le jardin d'Éden, il a été assez responsable dans la gestion des semences. Parce que même après son échec, je lui dis, tu vas continuer de travailler, mais tes résultats ne seront plus les mêmes. Donc la notion de la semence, ça veut dire que ton avenir est contenu dans ta semence. Ta subsistance, ta nourriture, c'est dans ta semence. Donc quand l'homme doit manger, la réaction qu'il doit avoir est celle-ci, j'ouvre mon fruit. Et la première chose que je dois faire intelligemment, c'est que je dois extraire ma semence. Non, et c'est pourquoi, reste là, c'est pourquoi, écoute-moi attentivement, ton salaire a été appelé par quelqu'un intelligent, le fruit de ton travail. Donc si c'est le fruit de ton travail, ton salaire a une semence. Oh, j'ai trop faim, je veux manger. Ah, non, si tu bouffes ça avec ça, d'abord ça c'est amer pour t'indiquer que tu as violé l'interdit. C'est amer. Donc le goût n'est même plus le même. Le goût n'est plus le même. Et les problèmes que tu as ne sont pas causés par Dieu. C'est causé par ta folie. Alors après, il y a indigestion. Parce qu'après, même ton ventre, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas comestible. Tu es en train de violer un principe terrible. Parce qu'il y a un potentiel dedans. Alors il faut l'extraire. Maintenant, écoute-moi bien. Le drame de l'église, c'est qu'on t'a fait croire que la semence, c'est seulement venir à l'église, mais t'es dans le panier. Non. Ça, j'appelle son travail intelligent. Le travail de délimiter et de sortir la semence. Délicatement. Parce que si tu la prends, et puis tu mets le couteau comme ça, boum, tu coupes en deux, tu as cassé la semence. Si tu coupes ça en deux, ça ne marche plus. Donc tu dois l'extraire avec délicatesse. Donc même l'extraction de ta portion d'alliance, c'est avec délicatesse. Tu la mets de côté. Maintenant, ensuite, tu dois identifier la terre de ta destinée. Parce que si tu prends cette semence et que tu la mets au Sahara ou que tu la plantes ici, tu reviendras 100 ans après, ça n'aura pas poussé là. On n'a pas besoin d'arbre ici. Le drame, c'est que les gens prennent des semences bénies et les amènent dans le sol maudit. Un jour, une dame est venue me voir. Pasteur, tu as prié pour moi. Dieu m'a béni. Comme les témoignages, on en a tout le temps. Les portes se sont ouvertes. J'ai dit, ok. La suite. Il dit, j'espère que tu l'aurais dit. Oui, j'ai pris ça et je suis allé amener dans telle église. J'ai dit, ho, ho, ho.
J'ai dit, oh. Elle me dit, pas ça, quel qu'il y a. J'ai dit, non, l'enseignement n'était pas complet. Parce que vous devez comprendre une chose. Il y a plusieurs terres, mais toutes les terres n'ont pas le même niveau de fertilité. Et je lui ai posé, ils n'ont pas le même niveau de fertilité. La fertilité de la terre a une influence sur ton noyau. Une terre que le ciel a combattue n'est pas digne de recevoir ta semence. Parce que c'est une terre sur laquelle il ne pleut pas. Donc, la semence, quelqu'un dit la semence. Quelqu'un dit encore la semence. Et vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont là. Ah oui, est-ce que ça n'a pas le candidat? Est-ce qu'elles n'ont pas connu ça? Vous savez, soit le prédicateur, il est fatigué. Soit il est déjà combattu par des démons et puis on reçoit. Et puis ça vient. Quand vous voyez quelqu'un qui prêche contre la semence, je vous garantis, ce gars-là est un problème personnel. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit comme je le suis là ce matin et puis parler contre la semence. C'est impossible. Ça, c'est le facteur majeur par lequel Dieu garantit l'embellissement des vies et la transformation des destinées. Parce que dans tous les cas, toi-même, tu étais une semence. Si tu combats les semences, tu te combats toi-même. Parce que tu étais la semence de l'homme vers la femme. Tu étais une semence. Libère-toi de l'avarisme. Libère-toi de l'avarisme. Libère-toi de l'avarisme. Est-ce que l'avarisme sort au nom de Jésus? Le meilleur indicateur d'une destinée falsifiée et d'une pauvreté programmée, c'est l'avarisme en action. Une personne avare ne sera jamais prospère. Selon Dieu, impossible. Ta prospérité et la sécurité de ta postérité se trouvent dans ton habileté à semer. Ta prospérité et la sécurité de ta postérité se trouve dans ton habileté à semer. La gestion de ton noyau. Dans la nourriture de l'homme. La nourriture de l'homme se trouvait dans la semence. Alors regardons quelque chose, ça va. On est dans des choses très profondes. Genèse 8, verset 22, regardez. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne feront pas quoi? Ne cesseront pas. Qu'est-ce que la Bible a dit, frère? La Bible dit quoi? Tant que la terre... Oh, s'il vous plaît, vous êtes là avec moi? Ok, continuons. Les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc chaque nuit qui tombe te rappelle que le principe de la semaille doit rester en marche. Donc ce n'est pas un principe qui a été inventé par les pasteurs des églises réveillées, non. Non, 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 non. C'est un principe de Dieu. Et je me mets là comme défenseur des saints pour les serviteurs de Dieu. Non. Et vous voyez, et aujourd'hui, on essaie d'amener les gens à avoir des complexes. Regardez quelque chose. Marc 4, verset 26 à 29. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez, les hommes comme moi, écoutez-moi bien, ici à Abidjan, 98, 99, 2000, je touchais 15 000 francs CFA par mois. Donc, ces principes-là, ce n'est pas des choses que j'ai lues, c'est moi dans la Bible. J'ai expérimenté. J'ai vu comment la semence m'a donné les clés, des cadenas pour sortir des prisons de la pauvreté. J'ai vu la semence. Comment la semence a libéré le ciel sur ma vie et a commencé à me porter. Écoutez-moi très bien. Nous vous marchez à deux. Un sème, un ne sème pas. Après 10 ans, voyez la différence. Ça, c'est clair, hein? Vous voyez de vos propres yeux la différence. Ton arrière-grand-père est sorcier. Dans ta famille, on a jeté des sorts. Dieu te donne ce qu'on appelle miracle programmé par sa puissance ordonnée. Et toi, tu veux combattre ça. Tu vas aller où? Nulle part. C'est ta vie entre tes mains. Mais j'ai la liberté de te le dire parce que ma vie a des évidences qui font que je parle en toute liberté. Je suis libre de tes avoirs. Je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est ta prospérité. Ce que je veux, c'est ton épanouissement. Je n'attends pas ton argent pour manger à table. Non, je prends soin de moi et il a fait preuve de sa bonté à mon égard. Il m'a donc donné le sceau devant les hommes pour parler librement de cette vérité fondamentale. Et je l'affirme sans honte qu'il y a une puissance derrière la semence. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Quelle que soit la fin, quel que soit ce que ne jouez pas avec. Ne trichez pas.
C'est votre destinée que vous êtes en train de courser. Regardez, il dit encore, il en est du royaume des cieux comme quand un homme jette la semence en terre. Un homme fait quoi? Il jette la semence en terre. Regardez la suite. Qu'il dorme ou qu'il veille. Oh, j'aime ce texte. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en ce qui concerne ta provision, tu n'auras pas besoin de prier. La Bible est claire, qu'il dorme ou qu'il veille. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de ses prières. À partir du moment où il a engagé le ciel, qu'il dorme ou qu'il veille, il a donné, il a transféré le pouvoir au ciel de prendre le relais en ce qui concerne sa vie et sa destinée. Qu'il dorme ou qu'il veille, la semence sème. Et quoi? Souligne la suite. Souligne la suite sans qu'il le sache comment. Il y a des choses qui t'arriveront sans que tu saches comment. Hey! Les gens que tu rencontreras sans que tu saches comment. Des connaissances surnaturelles sans que tu saches comment. Les gens te voient, ils commencent à t'aimer sans que tu saches comment. Quelqu'un te signe un chèque et il te donne sans que tu saches comment. Et souvent toi-même tu te dis, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que l'ingéniosité de Dieu, c'est que quand la semence revient, elle n'a jamais le même visage. Hey, elle n'a jamais le même visage. Premièrement, elle ressemble à une plante. Ensuite, on voit les branches. Après, on voit les fleurs. Après, on voit les fruits. Mais on dit, où est la semence? Elle a changé de visage. C'est ce que la semence fait, sans savoir comment. La semence est puissante. La semence est extraordinaire. La semence peut déclencher des choses irrévocables, sans savoir comment. Transfère de problèmes entre les mains de Dieu. Transfère ta destinée entre les mains de Dieu. Transfère ton avenir, ta promotion, ta progression, ta bénédiction, ton élévation entre les mains de Dieu. Mais comment? Dans ta semence. Dans ta semence. Dans ta semence. Dans ta semence. Écoute-moi bien. Il y a des semences qui portent tes problèmes. Il y a des semences qui portent les... C'est pourquoi les gens qui sont au comptage des offrandes, ne volez jamais les offrandes. La lèpre de Géasi était dans son offrande. Il y a des semences qui portent des problèmes, qui vont aller mourir sur le sol. Mais si tu n'es pas habilité à être ce sol, alors ça ne meurt pas, ça pousse en même temps sur toi. Sans savoir comment. Sans savoir comment. Sans savoir comment qu'il dorme ou il veille. J'appelle ces choses. J'appelle ces choses. J'appelle ces choses qui vont t'arracher le sourire en pleine nuit et les pleurs en pleine midi, les pleurs de joie. J'appelle ces choses qui arrivent dans ta vie sans que tu saches comment. Ces événements surnaturels, programmés par le ciel, mis en action par ta semence, les anges qui interviennent sans que tu saches comment. Reçois ces choses dans ta vie au nom suprême de Jésus sans que tu saches comment. Parce que la semence s'introduit dans le repos. Dans le repos de Dieu. Vous imaginez toute la semence, toute la nourriture du monde, toute la nourriture du monde se trouvait entre les mains d'un individu. Aujourd'hui, frères et sœurs, personne d'entre nous, Dieu n'est plus venu dire, je recrée la nourriture, on est d'accord. Mais il y a de la manger pour la terre entière. Mais ça part des semences gérées dans le jardin d'Éden. Dieu est un Dieu autosuffisant. C'est un grand Dieu. Qui de vous a encore prié pour qu'il y ait l'air qui apparaisse, on ait de l'air à nouveau. Et puis non, l'air qu'il a créé depuis le départ, c'est suffisant jusqu'à l'enlèvement. Il y a de l'oxygène pour tous. Pendant le Covid, vous avez vu combien coûtait l'air, l'oxygène vendu à l'hôpital. Dieu te donne gratuitement, sans que tu saches comment. C'est ça la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est ça la grandeur de Dieu. Donc la semence va produire. La semence va créer l'embellie de ta vie de façon redoutable.
Écoutez-moi attentivement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, j'entends les gens, je parle maintenant à beaucoup de pasteurs, vous leur dites, armez-vous de courage, mais soyez intègres dans vos voies. Amen. Je suis tout à fait d'accord que les gens puissent prendre l'argent et donner à l'église et pour revoir le pasteur commence à lui-même avoir un ventre qui pousse pour lui sale, c'est un problème. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, faites très attention. Faites très, très attention. Dieu a établi les choses comme il les veut. Et si le diable combat les pharaons, vraiment ces hommes de Dieu, ils sont toujours en train de demander des offrandes. Non, non. En fait, en étudiant, en réfléchissant, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui poussent les offrandes. Ce sont les offrandes qui poursuivent les hommes de Dieu. C'est pourquoi, en fait, vous voyez, quand vous êtes un homme de Dieu, ne courez pas après ça. Allez après Dieu. Quand Dieu fait de vous une terre qualifiée, avec la capacité de créer une transformation radicale aux semences, il commence à créer une conversion de semences vers vous, parce qu'il sait que votre corps, votre vie a la capacité de changer les choses. Regardez quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Galates 6, verset 6, regardez, c'est la Bible, c'est pas moi, c'est Dieu. Regardez, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tout. Est-ce que c'est écrit ou pas? Il fasse part de tout, c'est bien à celui qui l'enseigne. Qu'il fasse, c'est Dieu qui le dit. De tout, c'est bien à celui qui l'enseigne. Et vous êtes d'accord avec moi que votre pasteur ne demande pas vos biens. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, fasse part de tout, c'est bien à celui qui enseigne. Je parle au corps de Christ. Regardez la suite, regardez la suite, regardez la suite. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que celui qui n'a pas fait, a fait quoi? Il s'est moqué de Dieu. Celui qui n'a pas fait, il s'est moqué de Dieu. Et dans mon sens, frère, l'une des clés en or qui a propulsé ma vie, aucun homme ne m'a été en bénédiction et puis je ne lui ai pas en bénédiction en retour. C'est pas possible. Je respecte les hommes de Dieu, j'honore leur grâce. Même ceux qui sont mes semblables, même souvent avec qui sont plus petits que moi, mais quand il y a une grâce de Dieu, c'est Dieu qui a mis sa grâce sur la personne. Mais vous savez, la personne est dans son processus de croissance et je peux apporter une semence dans sa vie pour s'aimer dans sa vie. C'est un principe divin. Celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Parce qu'en certains moments, l'enseignant de la parole qui transforme les vies, qui gagne les âmes, qui est celui qui est un catalyseur de la foi, devient une terre pour Dieu. Regardez la suite, regardez la suite. Ce qu'un homme aura, en d'autres termes, quand tu donnes tous tes biens à un homme, tu es en train de s'aimer. Donc si tu sèmes, c'est que cet homme devient une terre. C'est pas ce que la Bible a dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc Dieu ne considère pas ça comme étant de simples dons, mais comme étant des semences pour ta destinée. Ah oui, des semences qui vont pouvoir créer un radical changement dans ta destinée. Est-ce que vous savez que quand vous semez dans la vie d'un homme qui a une grâce, la grâce qui est sur sa vie vous est communiquée. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. C'est pourquoi le travail le plus absolu pour un serviteur de Dieu, c'est de travailler sa grâce. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de maturation. Donc quand elle atteint le point de maturation, il y a toute certification divine approuvant sa terre. À partir de cet instant, Dieu expose cet homme et dit, vas-y à tel endroit, parce que cet endroit devient une terre ambulante qui est capable de poser, de ramener les choses terribles dans ta vie. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je peux vous donner témoignage après témoignage après témoignage. Le drame, c'est qu'en certain moment, le diable vient dans ta tête, il commence à te... Non, frère. Une terre qui est un élément catalyseur de ta destinée est une terre que tu dois protéger. Tu dois protéger la terre. Parce que c'est là-bas que ta semence descend. C'est là-bas que ta destinée, justement, connaît de l'essor et de l'embellissement. Voyez, dans le principe de la semence est un principe intelligent. Alors, je vous dis encore, l'intelligence, c'est quoi? Reste là où tu es. L'intelligence aussi, c'est que quand j'ai pris la semence, j'ai dit, ok, je vais l'amener en terre. La loi de la semence, hélas, ce n'est pas simplement une enveloppe, on prend, on vient dans le panier, et puis on débite. Non, non. Derrière, il y a tout un process. Dieu veut que le travail que tu fasses avant d'apporter ta semence corresponde au facteur de sainteté qui incarne sa personne.
Donc je ne peux pas aller dans la rue princesse. Mon prostitué est venu s'aimer et espérer que cette semence crée de l'embellie dans ma vie. Cette semence que j'apporte devant le trône de la grâce est une semence de mauvaise qualité. Donc si la semence est mauvaise, l'arbre ne produira pas. La semence mourra d'elle-même sans faire quelque chose d'extraordinaire. Donc Dieu a approuvé Abel et son offrande. Donc il y a la personne qui a donné, il y a l'offrande qui est donnée. Il y a la personne qui donne et l'offrande qui est donnée. Donc deux facteurs. Ensuite, quand j'apporte, il y a un travail intelligent. Je travaille, je mets en terre et puis il y a un processus. Donc il y a plusieurs lois derrière la loi de la semence. Ce n'est pas seulement venir donner mon enveloppe et puis c'est terminé. Non. Est-ce que tu as protégé ton champ? Quand les oiseaux de proie viennent descendre sur ton sacrifice, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Ah, ces hommes-là, ils sont là pour nous rendre pauvres. Et puis, c'est vrai, on dirait, moi-même aussi. Non, c'est fini. Il faut garder ta foi. Ne tiens pas ce genre de langage. Ça ne te concerne pas. Tu sais d'où tu viens. Je t'ai parlé. C'est lui qui t'a parlé. Garde ta foi. Garde ta foi. Un jour, un fils qui est ici, en ce jour dans l'assemblée, que je ne veux pas lever au deuxième culte, m'appelle et me dit, papa, il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Je vais venir à la maison. Je dis, ok, pas de souci. Tu peux venir. Je vois une voiture imposante, grosse voiture qui entre. Et puis me dit, ça, c'est ta semence, c'est pour toi. C'est vraiment, il dit, merci. J'ai appelé ma femme, je dis, viens. Vous voyez, il y a des gens quand ils... C'est pas tant la voiture qui t'impressionne, mais il y a quand même une bonne impression parce que c'est une grosse voiture, une belle voiture. Ça te fait quelque chose dans le cœur. Et puis tu regardes parce que c'est l'expression de l'amour de ton fils. Alors tu regardes et puis... Tu sens le téléchargement d'une grâce particulière. À l'instant, tu sens tes membres intérieurs et extérieurs se réveiller. Il y a quelque chose qui coule. Et dit, mets-toi à genoux dans le garage. Tout de suite, s'est mis à genoux. J'ai commencé à parler sur sa vie. Et ma femme était à côté, mets ta main sur lui. J'ai commencé à parler sur sa vie. Frère, en ce moment-là, je sais que le transfert est immédiat. Il n'y a pas de contestation. La même nuit, il a fait un songe. Où Dieu lui montrait justement les transactions qui sont passées au monde spirituel. La même nuit, pas le lendemain, la même nuit. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé là. Et sa vie a pris une autre dimension. Monter un autre palier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important de bien comprendre ces choses. Donne à ton meilleur amen. C'est très important de bien comprendre ces choses. Maintenant, comme nous parlons du principe de la semence, vous ne pas rester seulement focalisé sur la question d'argent. Et je vais vous montrer quelques semences que vous pouvez déployer si vous voulez embellir votre vie. Voyez-vous, parce que quand tu vois cette semence, quand tu la vois et que tu es intelligent, tu sais qu'est-ce qui va pousser? Un avocatier. Il y aura un avocatier qui va pousser après. Ok, très bien. Alléluia. Alors maintenant, si tu... quitte de là et que tu veux, par exemple, voir dans ta vie l'honneur. Ce n'est plus l'argent que tu sèmes pour avoir l'honneur. Si tu veux être honoré des hommes, tu sèmes la responsabilité. Les gens responsables sont honorés. Quand tu es responsable, il y a de l'honneur. Même mon père qui est responsable sur ses enfants l'honorent. La responsabilité. Tu peux pas être là et puis... tu es irresponsable et tu attends. On a dit honore ton père et ta mère. Les gens vont le faire, mais vraiment, cet honneur-là, ça ne va pas venir du cœur. Mais quand tu es responsable, l'honneur t'est donné. C'est pour ça que Dieu dit, vous m'appelez père. Où est l'honneur qui m'est dit? Parce que je suis responsable sur vous. Tu sèmes l'amour, tu récoltes la faveur. Tu es encore amen. Tu n'en as pas de problème que les gens te détestent. Ce n'est pas un problème. Que les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas un problème. Mais toi, aime-les. Sème l'amour pour avoir la faveur. Tu béniras tes ennemis. Fais du bien à celui qui te maltraite. C'est pourquoi je ne réponds jamais aux ennemis. Et je ne garde pas dans le cœur ce que quelqu'un me dit en mal. Je bénis les personnes qui me maudissent. Je sais qu'en agissant de la sorte, la faveur de Dieu m'accompagne. Tu sèmes l'amour, tu récoltes quoi?
La faveur. La faveur. Et si tu sèmes l'amour dans le cœur de ta femme, tu récoltes la soumission. Et si ton mari ne t'a pas aimé, ne dis pas le pasteur a dit, tu sèmes l'amour, tu récoltes la soumission. Si tu sèmes la soumission, tu récoltes l'amour. Ça que deux va mieux un. Si un tombe, l'autre le relève. Donc si le mari n'a pas aimé, toi soumets-toi. Et il va finir par t'aimer après. Parce qu'il va tourner jusqu'à... Il va dire non, ça là, je pense que c'est là-bas que je suis en sécurité. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Celui qui aime n'est jamais bête, même s'il paraît bête. Il est sage. Écris-le. Aimer fait souvent mal au cœur, mais aime quand même. Dans l'amour de Dieu pour les hommes, il a eu tellement mal que Jésus s'est écrié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? L'amour, souvent ça fait mal parce qu'on aime. Donne-moi ton meilleur amen. Tu sèmes le sacrifice, tu récoltes la distinction. Le sacrifice. Le sacrifice. Et je veux challenger certains d'entre vous. Je trouve que vous ne faites pas assez. Allez-y encore plus. Sacrifie-toi. Ce qui te distingue dans la vie, c'est l'investissement sacrificiel de ton être dans ce que tu fais. J'aime cet exemple que je donne tout le temps. Le champion du monde de 100 mètres, il court 9 secondes. Le champion de 100 mètres du Cameroun, 10 secondes. Celui de Côte d'Ivoire, 10 secondes. Mes frères, si je vous demande les deux noms des deux Africains, là, vous ne le connaissez pas. Mais si on vous demande le nom du champion du monde de 100 mètres, vous connaissez, il est célèbre. Il est devenu très riche avec une seule seconde de différence. Pourquoi? Voyez-vous, c'est important le sacrifice. Voyez, les détails, le sacrifice vous donne d'être minutieux dans les détails. Les détails, la précision. Vous ne faites pas les choses comme tout le monde, vous les faites avec singularité. Car le sacrifice vous donne d'exceller. Vous excellez. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu comprends bien la Bible parce que tu es intelligent, tu es lettré. Je lui ai dit, ce n'est pas le lettrisme qui enseigne la Bible. Pour comprendre un mot, il faut s'y attarder. Il y a le sacrifice dans l'étude. Il y a le sacrifice dans la prière. Il y a le sacrifice dans la pratique. Il y a le sacrifice dans la vie de la Bible. Pour que la Bible s'ouvre et te donne un panorama de lumière nouvelle. C'est pas seulement quelque chose que tu prends comme ça à la légère, et puis tu es là, et puis tu viens prêcher. Non, tu peux être très éloquent, tu peux donner un beau message, mais pas impactant. La différence entre quelqu'un qui impacte et quelqu'un qui impressionne, c'est que celui qui impressionne, il va avec l'intellect. Celui qui impacte, il va avec l'esprit. Il y a la vie derrière. Il faut tellement être impactant au point où quand tes ennemis ont besoin de références, qu'ils fassent appel à toi. C'est-à-dire que tes ennemis se mettent ensemble et disent, dans tous les cas, on cherche quelqu'un, mais on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre que vous. Il faut faire le venir. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. C'est ça l'excellence. C'est le sacrifice. C'est important. Ça te donne de la distinction. La distinction. Ensuite, il sème la passion. Tu récoltes l'admiration. Tu sèmes la passion, tu récoltes l'admiration. Ce sont des personnes passionnées. Les gens admirent les passionnés. Pourquoi est-ce qu'on a tant aimé Nelson Mandela? C'est sa passion pour la liberté du peuple noir. On a fini par l'admirer. Ça, c'est la passion qui mène au sacrifice. Alléluia. Quelqu'un dit un meilleur amen. Es-tu prêt à utiliser ces semences? Tu sèmes la foi, tu récoltes le succès, l'élévation, la protection, la puissance. Tout ça, c'est par la foi. Quand tu sèmes la foi, c'est ce que tu récoltes. Et tu sèmes l'orgueil, tu récoltes la chute. Tu sèmes la déloyauté, tu récoltes la fin de ta destinée. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu te comble. Que cette parole t'arrose, qu'elle continue de faire de bien à ton âme et à ton être, dans le nom suprême de Jésus, et que par la puissance extraordinaire de Dieu, cette parole travaille en toi,
falsifie totalement les mensonges de la religion et redonne un nouveau paradigme mental au nom suprême de Jésus pour que ta vie passe à un autre palier d'embellie et un rayonnement remarquable dans la société au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi trois bons Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Restons comme nous sommes. Hier, je voudrais demander à quelqu'un, s'il vous plaît, qui est ici et qui dit, ah, vraiment, pasteur, quand tu parles ce matin, mon cœur est tellement touché. J'ai envie de tout mon être de me réconcilier à Dieu. Lève ta main droite. Je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu sais que tu meurs maintenant. Tu n'iras pas au ciel. Tu iras en enfer. Lève ta main. Je vais prier pour toi rapidement, s'il te plaît. Oui, merci pour cette main. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Lève ta main, oui. Viens. Faites venir, acclamez le Seigneur pour eux. Faites venir. Randa cabrondo, sakata brando robabo. Shatara babo, rondo robabo, sakata. Oh, ribo, sakata brondo robaba. Rinderebo, sakata brondo robabo. Hekebro, sakata brendo. Quatre personnes qui doivent s'associer à ces trois personnes, quatre personnes qui sont encore à leur place. Tu as écouté le message, ça t'a touché. Dieu est en train de te parler en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ta destinée, en ce qui concerne le mandat qu'il a rattaché à ta vie. Amen. Tu n'es pas né de nouveau, mais tu sais qu'il y a un plan divin rattaché à ta vie. Ce message t'a été adressé parce que Dieu veut se baser sur prendre appui sur toi pour faire des choses remarquables dans cette génération. Avance devant l'autel, je vais prier pour ta vie. Le diable est en train de vouloir te détruire. Mais tu l'as cédé. Tu l'as cédé ta vie entre les mains de Dieu. Totalement. La seule manière d'échapper à ce piège de la chorcellerie, c'est de te confier à moi entièrement. Tu es encore à ta place et dans ta famille, la sorcellerie sévit terriblement. Et ta vie aujourd'hui est en train de subir son influence. Dieu dit, viens te confier à moi. Tu n'es pas né de nouveau. Ouvre-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Je veux agir par ta vie. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là, oui. Chaque fois que je me lève, oh Dieu, viens régner. Oh, je te donne tout mon cœur. Lève ta main droite vers le ciel, là où tu es, lève ta main droite. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Et aujourd'hui, je divorce avec Satan. Satan, tu n'as plus de place dans ma vie. Je divorce à partir d'aujourd'hui. Je demande pardon pour mes péchés. Que le sang de Jésus me lave. Que ce sang me justifie. Oh Père, merci de changer mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Ôte le péché de mon cœur. Dans le nom suprême de Jésus. Et écris mon nom dans ton livre de vie au nom suprême de Jésus. Amen. 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 En vertu des pouvoirs que Dieu m'a souverainement conféré, je parle sur ta vie. J'annonce par les pouvoirs élevés dans le nom suprême de Jésus un changement radical, total, entier
au nom puissant de Jésus. Et que dorénavant, tu sortes des cachots de l'enfer, des cachots de la prison satanique, pour que tu vives dans le royaume de la liberté par Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus. Tu es béni, tu es comblé, tu es arrosé. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Recevez ces fiches. Recevez ces fiches. Eh bien, vous allez les remplir tout à l'heure. Nous vous recevons en bas. C'est très important pour nous. On va se tenir debout. Je vais prier pour tout le monde, s'il vous plaît. La fin du message. Chaque fois que je frères et sœurs, je considère par ce message que c'est juste la sagesse de Dieu qui nous a communiqué. Alors je veux prier, mets ta main sur ton cœur, vraiment que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, nous tous sur la terre, à vraiment mettre ce message en pratique dans tous les secteurs. Si tu as bien compris ce message et que tu le pratiques dans tous les secteurs de ta vie, ce message est capable de créer une révolution, de l'embellie, de prendre justement du bas pour te conduire au sommet. Si tu as simplement bien compris comment est-ce que Dieu opère au travers de l'intelligence, de la loi de la semence. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Je recommande ici toutes les personnes connectées à cet autel, en présentiel ou en direct. Je prie que par ta puissance extraordinaire, au travers de ces messages, une embellie véritable soit déclenchée dans la vie de toutes ces personnes au nom suprême de Jésus, pour basculer dans un cycle de règne, un cycle évident de rayonnement, de manifestation de gloire, dans son amplitude maximale, au nom puissant de Jésus. Père, merci, car par ta parole, nous activons ainsi le miracle programmé de Dieu. Que toutes ces choses qui sont en marche, ces grandes choses qui sont cachées dans la faiblesse de la sémence, éternelle se développent à une vitesse véritable. Et que nous puissions voir, éternel, l'indigent, le pauvre, être assis à la table des rois, au nom puissant de Jésus. Le malade guérit. La personne qui était en rébus de la société, considérée comme un dignitaire, à cause du potentiel qui a été communiqué par ta parole, au nom suprême de Jésus. Change radicalement les maisons, restaure les choix, restaure la paix, restaure le bonheur, au nom suprême de Jésus. Ressuscite les rêves, redonne de l'espérance, redonne la vigueur au corps, au nom puissant de Jésus, et pouvoir aux besoins de tous ceux qui, à ce moment précis, n'ont pas de quoi. Éternel, je suis venu à leurs besoins. Tu es tellement fidèle, tellement bon, que ta bonté, Seigneur, jaillisse sur la vie de chacun d'entre nous, au nom suprême de Jésus. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Tu es béni au comblé. Je déclare établi que tu vivras le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu pour toi. Le cœur de Dieu pour toi entièrement, totalement. Le cœur de Dieu pour toi, au nom suprême de Jésus. Rien de ce qui t'inquiétait n'arrivera. Réjouis-toi et aie confiance en Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen.